Chérie, je vais t'avouer un truc, mais ne te fâche pas, s'il te plaît. Je t'ai trompé avec une de mes collègues. Tu sais, chérie, c'est comme le foot. C'est en allant jouer à l'extérieur qu'on devient meilleur à domicile. C'est aussi en jouant à un jeu dangereux qu'on est sifflé hors jeu et qu'on se prend un carton rouge. Patronne, je veux me confesser. Oui, vas-y, je t'écoute. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Le jour de la Saint-Valentin, je suis sortie avec votre mari. Tu as coupé mon cœur. Ah, toi aussi. Je pensais que tu avais couché avec lui. C'est sorti seulement. Ah ouais, c'est orange, tu vois maintenant. Tu n'as rien encore vu. Quand j'étais dragué là, tu as refusé, n'est-ce pas? Moi, un million garçon, comme ça, tu me refuses. Tu vas rester dans la galère. Je prie toujours le Seigneur pour que tu restes dedans. Allez, dis-le-lui. Dis-le-lui là-bas. Papa, j'ai rêvé que pour la Saint-Valentin, tu as acheté un portable de 300 000 à maman et tu lui as offert 4 complets de pagne. Dans ton rêve, il y avait un monsieur qui t'a giflé, n'est-ce pas? C'était moi. Le 14 février, une belle femme est née. Bonne fête de Saint-Valentin à toi, ma chérie, et joyeux anniversaire. Merci, mon chéri. Ça, c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Maintenant, se trouve mon cadeau d'anniversaire.